Comment ça avance, le plan Hatsley? On doit choisir. Ushu. L'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide. Si jamais on va au contact, on a toutes les chances de les intercepter. Mais ils pourraient très bien nous déborder. Si on passe par là, ce sera moins dangereux. Mais le timing devra être parfait, ou ils nous échapperont. On peut faire les deux? Si on va au contact, je peux les contourner et puis jouer les snipers. Ils seraient piégés. Toute approche comporte des risques, mais... je crois que c'est la meilleure option. Bien. Alors... à vos ordres. Allez, préparez-vous. On y va. Ouh, nous avons le plan pour la fin. Salut François. C'est là qu'on se sépare. Ton chemin va par là. Lara ? J'ai un porte-bonheur. Pour toi. Hatsley, c'est trop. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Merci. Sois prudent, Jonah. Toi aussi, ma belle. Où est-ce qu'on va? Par où on passe? Si je joue en facile... Ah, je suis désolé, apparemment on sait pas lire le titre du live. Merde. C'est embêtant. On y va. Méga chaud, tu te fous de ma gueule. Tu vas me dire que sans combinaison, elle peut... Ouais, je vais arrêter de questionner la logique des choses. On s'en fout, on y va. C'est Lara Croft. Simple en vrai. Non, mais le jeu est simple. Ah ouais. Je me suis pris des rochers dans la gueule, apparemment. Où est-ce qu'on va? Elle devrait bouillir. C'est tellement pas logique. Je crois que les développeurs, ils ont abandonné, là. Ils se sont dit, tiens, on va faire n'importe quoi, c'est pas grave. On est à la fin du jeu. On est à la fin du jeu, c'est la fête, on sort la vodka, allez, on fait n'importe quoi. Lara qui passe à côté d'un volcan sous-marin. Incroyable. Jonah, j'ai réussi. Je vois le pont. Merde. Oh, ils ont fait sauter le pont. On va trouver un autre passage. Ok. Tu vois la fumée rouge? Oui. Je vais aller jeter un œil. Unuratu a dit que le feu cramoisi était sa destinée. Ok, essaie de faire vite. J'ai un gros déjà vu du deuxième jeu. A été détruit. Bien, à tous les chefs d'équipe, prenez contact avec les véhicules. Cardinal 2, il compte sur vous. Compris. N'oubliez pas, une ouverture structurelle peut permettre à l'ennemi d'entrer. Ici Cardinal 8, lumière visuelle. On change de cap. Direction A-05.
Mais ils sont en train d'attaquer quoi? Ah! Installer des zones de tir et empêcher l'ennemi d'approcher du temple par tous les moyens. Ah, c'est ce qu'on a vu dans le temple avec la femme, avec le visage rouge là. N'oubliez pas, ils attaquent de partout. N'importe quelle brèche dans la structure peut leur permettre de s'introduire. Allez, monte. D'autres hélicos. Je voudrais un feu de camp, s'il vous plaît. Ouais, c'est eux. Les trinitaires les chassent. On va perdre les citadelles extérieures. Cool. Ah, on va peut-être revoir la bonasse. À toutes les forces terrestres, resserrez le périmètre. Lequel de la trilogie? Pour le moment, le deuxième. Le deuxième complètement. Le troisième, c'est du gros cliché sur cliché. Ça m'énerve. Paladin 7, essaye de refermer la porte. J'en parlerai plus tard. J'en parlerai à la fin du jeu. J'arrête pas de cracher dessus. Là-bas. On progresse dans tous les secteurs. Et on perd beaucoup trop d'hommes. Comment vous perdez des hommes? Des unités, n'approchez pas des murs. Restez groupés. Lara, on en a tué une cinquantaine à nous tout seuls. Comment tu... Vous avez plus d'équipement, plus de mecs, des hélicoptères, des lance-roquettes, un lance-grenade. Comment vous pouvez perdre des mecs? C'est sérieux. La source de la fumée, je peux l'atteindre. C'est comme le 2, contre les immortels, c'était pareil. C'était exactement la même chose. Incroyable. Rise plus joli? Possible, ouais. Je le trouve pas spécialement beau celui-là. Enfin, cherche ton miroir. Enfin, il est beau, mais pas top. C'était la destinée de Nouratou. Qu'est-ce qui se passe? Kalima. Kalima. On va faire des bisous. Le feu cramoisi, c'est toi. Je crois qu'on est censé travailler ensemble pour vaincre Kukulkan. Oula. Au final, Lara Croft, elle irait bien avec elle. C'est aussi une psychopathe. Quoi? Oh la vache. Donc on s'est unis. On s'est unis avec les monstres pour combattre les trinitaires. Normal. Oh waouh, elle est agile. Ça c'est Lara Croft plus tard en fait, dans 10 ans. Elle est où? Elle est derrière moi. Ah, ça fout les boules, la vache! On dirait un film d'horreur. On dirait The Descent encore. Elle a des pics.
Jonah, j'ai des renforts. Les Yashil, ils sont avec moi. Quoi? J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi. Pas du tout. On a Croft en visuel. Elle est avec les Yashil. Hein? Vous laissez pas distraire. Abattez-la. Oh la vache. Elle est tellement plus agile que moi, c'est abusé. Ils sont partout. On a besoin de renforts, vite. On vous envoie des renforts. Merde. Merde. Attends-moi. Attends-moi. Ici l'équipe Zeta, Haut Conseil en position. Périmètre tenu. Je répète, le Haut Conseil va bien. Ici le commandant. C'est pas ça qui transforme des blindés comme ça. C'est un peu trop gros pour cet hélicoptère. Ouais, mais là ça fait des... Ça fait vraiment comme le 2. On peut pas se bouger. Jamais, on a réussi. Ah, je crois qu'il y a des... le chemin du temps. Super, aussi, on arrive. On y est presque. Oh non, c'est tout seul. Où est Dominguez? Il est dans le temple. On est tout proche. Merci, Kukulkan, pour ce don de renaissance. Nous nous tenons prêts à recevoir ton pouvoir. Fatal. On s'est allié avec les monstres. Salut, Vrangtia. Oh la vache. Ils t'obéissent? Moi seul pourrais compléter le rituel. Ils ont mal choisi. Tout est faux. Non. Elle est à eux depuis toujours. Donnez la boîte. Non. Non. Jamais. Je dois protéger Paititi. Nous créons tous notre destin. Pas que vous. Nous tous. Ensemble. Têtu jusqu'au bout. Attaquez! Je fasse des balles là spéciales. Deux secondes. Une seconde, passe. Je dois crafter des balles. Là, chopez-la. Attendez. Par contre, je peux pas créer des grenades. Je sais pas. Salut, Orion. Bientôt, les trinitaires contrôleront tout.
Quoi ? Croyez que les Trinitaires s'intéressent à Pine Hill. Le mec, il est à travers les gravats. On dépasse les limites de votre imagination. Ah, mais putain de jeu, quoi. Ah, il va me rendre fou, ce jeu. Voilà, restez... Ne dis pas qu'on peut pas le tuer parce qu'il faut le tuer d'une certaine façon. Ce que je fais. Apparemment, il me tire pas dessus. Ouais, ok. Ah, mais c'est l'autre. Comment il s'appelle? Ici Paladin 1. Je suis encerclé. J'ai plus de munitions. Non. Rien, pas de sang. C'était pas le général Rourke? C'était pas lui, Rourke? Allez mec, on peut continuer la guerre s'il vous plaît, c'est pas fini. Allez, venez. Il est bien le MPC. Ah, c'est simple, c'est le jeu, comme ça. Jonah, Rourke est mort. Oh yes. Je vais retrouver Dominguez pour empêcher le rituel. On va les retenir aussi longtemps que possible. C'était bien Rourke, c'était bien lui. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un super showdown avec Rourke et tout ça. Apparemment, non, il s'est fait manger par des indigènes. C'est... Ouais, c'est un peu bof, là, du coup. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un super combat, mais... non. Améliore la réaction et ralentit le temps quand vous visez. Ah, ça peut être utile. La concentration pour ralentir le temps. Ah non, mais je viens de le débloquer ça. J'en avais... Enfin, je les ai jamais utilisés. Ah ah. Ah, on a ça. On l'a à la fin. Le mec qui prend le livre au début de, dans Rise, je me rappelle. Ici l'équipe Zeta, le Haut Conseil se fait envahir, il nous faut. En haut, à droite. En haut. J'ai rien vu où m'accrocher, c'était mort aussi. Hein? Mais qui est-ce qui commande alors? Repli! Repli! À toutes les unités! Repliez-vous! Qu'est-ce qu'on fait pour le périmètre? Il n'y a plus de périmètre! Tout le monde est mort! On ne peut pas se tirer d'ici! Ah là! Ça a rien le ralenti. À part à merder mon timing. Ah merde.
C'était peut-être le mauvais moment pour passer. Avec la chute de débris. Alors, cette fois... Ça devient un peu abstrait, les parois. Non, ça va. Elle va pas se casser, elle. Je sais pas où je vais. Ah, là, apparemment. Où est-ce qu'on va? Pas là. Ah, ah, là-haut. Ouais, merci de me mettre un tutoriel pour la fin. Que le soleil s'éteigne. Et que l'obscurité efface le monde connu. Que l'ombre passe. Et que la lumière rejaillisse sur un monde créé par nous. Le pouvoir de Kukulkan. Anéantis ceux qui veulent détruire ton pouvoir et son étendue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Kukulkan, protège-nous. Guide-nous. Aide-nous à recréer le monde. Donne-nous la force et la sagesse. J'ai peur que si je me fais voir, je vais me faire électrocuter par... On doit pas arrêter cela aussi. Sur un monde créé par nous. J'aime bien comme elle saute, c'est complètement. Anéantis ceux qui veulent détruire ton pouvoir. Bien joué Lara, bien joué. Je vois pas pourquoi tu t'es pas accroché à la branche alors qu'on était parfaitement bien. Excusez-moi, je passe. Protège-nous. Guide-nous. Aide-nous à recréer le monde. Tout est plein. Je peux plus rien. Donne-nous la force et la sagesse. Alors, je crois qu'on a tué tout le monde. On va devoir arrêter les fous là de. Ok. Trouvez-la! Empêchez-la d'intervenir!
J'ai tué tout le monde. Aujourd'hui, nous prenons le contrôle de notre destin. Tu devrais tellement être mort. Oh et merde. Rappelez-vous, Stier. Nous ne pouvons pas échouer. Qui me tire. Anéanti, ceux qui veulent détruire. La personne qui me tire dessus en fait. Et son étendue. Il y en a de plus en plus des mecs, je peux pas dire. Mais... Stylé, je trouve. Le visuel est beau. Dans Tomb Raider, dans les remakes, ça a toujours été beau. Mais... Après, le gameplay, voilà. Rien ne m'empêchera de recréer le monde. Ah, wow. Aujourd'hui, nous prenons le contrôle de notre destin. C'est les portes. Ramène-toi. Il faut le taper quand il fait ça. Il y a sûrement une mécanique comme ça, je crois. Un dieu. Je t'ai laissé vivre trop. C'est fini. Croyez plus intelligent. Aïe. Oh, regardez, elle devient de plus en plus forte. C'est moi qui dois protéger toi, Kitty. Avec pas la toi. Dague. Jusqu'au moment où elle va être fluorescente. Excuse-moi, attends, je récupère les choses sur tes mecs. Ah, il m'a perdu de vue, le coup. Ça passe à travers. Mais... Non.
tu peux attaquer, mais Kukulkan le rendra plus fort. Main à l'homme. C'est vrai qu'il y a des balles un peu partout. Y'a personne d'autre ? Putain de... De vue de merde. Je te croyais plus intelligent. Ouais, on va ressortir le fusil à pompe. Je tirerai sur un coup. On est pas dans Dark Souls, mec. Quelle arrogance. Voilà. Ça a duré combien de temps? Je veux pas arrêter de répéter la même chose. Quelle arrogance. Voilà. Ok, on est bon. Ah non, on est pas bon apparemment. Ah là, on est bon, putain. Trop loin un peu les mecs. On récupère les armes. On récupère les objets, pardon. Les balles et tout. S'il faut, ça va durer encore 2-3 fois. Impossible. Je peux plus rien transporter. Ah. Oh la vache. Oh, ça y est, enfin, maintenant on s'est timé en fait. Faut aller vite. Ah là, il va sûrement clapser. Allez, go. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis.
Pour prendre son trésor, l'aventurière Lara Croft doit vaincre le roi. Ah non. Vaincre le roi ? Je ne suis pas sûr que le roi soit d'accord. Elle va sûrement avoir l'opportunité de sauver son père, mais elle va dire non. Vous voulez bien arrêter de bouger une seconde ? Père-mère. Oh, oui, ma reine Blanche. Hein ? Est-ce que je peux voir ? Bien sûr. C'est toi, là c'est moi, là c'est ton père. On est où ? Hawaï. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire. Sans faiblesse, ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi ? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir, une attaque de jaguar ! Où on pourrait aller ensuite pour notre grande aventure ? Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa ! Oh non ? Alors, peut-être le désert de sel en Utah ? Richard ! Je sais où on va aller. Ah oui ? Hawaï ! Oh, oui, ça pourrait être pas mal. Eh bien, dans ce enfin, maman. Je voudrais que tu m'aides un peu. En enfin, fait, papa. En recherche, en prévision du voyage, là. Non. C'est toi, mon assistant personnel. Oh, mais oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que... Oh, elle a refusé. Comme c'est étrange. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde, c'est... Il est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Mais pourquoi c'est extrêmement fort comme ça ? Protéger Paititi ! Pitié. Pitié, Lara. Promis. Être le dernier jeu, s'il vous plaît, faites-la mourir, s'il vous plaît. Deux jours après, non, pas deux jours après, faites-la mourir, s'il vous plaît. Oh. C'est celle qui est morte. Ma mère, une guerrière, une rebelle, une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me manques. Et... son esprit nous guidera pour unifier Paititi.
vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui? La jungle te manque? Tu veux trouver ce fameux arbre à poisson? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Je suis contente. Et toi alors? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Mais Edsley va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Waouh. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des bagages à faire, toi? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara. Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être pour en apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux, suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie? Nous viendrons à ton mariage. Wow. Edsley, et si tu me montrais les plans du nouveau temple? Oui, ce sera magnifique. Waouh, bah c'était nul. C'était bien nul. Le combat final, il était nul niveau gameplay. Après, niveau visuel, machin, c'est joli. Mais c'est comme dans le premier, c'est comme dans le deuxième, c'est exactement la même chose. C'est joli. Mais niveau gameplay, c'est nul. C'est vraiment pourri, c'est vraiment pauvre en fait. J'ai l'impression que la fin, elle a été mais bâclée d'une force. Rien que la fin du deuxième, elle était beaucoup plus longue. Du moment où on te dit « Attention, tu vas pas pouvoir te téléporter avec les feux de camp. » Donc ça veut dire que c'est la fin. C'était beaucoup plus long que ça. Ça avait duré au moins 1h30, 2h, je crois. Parce qu'il y a les immortels à combattre. Il y a toute la ville souterraine à faire. Après, il y a le combat contre l'hélicoptère, truc de fou. C'est vraiment cool. Là, c'était fini encore en 40 minutes, 30 minutes. C'était fini en 30 minutes, là. Je crois. La fin est bâclée à mort. Pourquoi elle est pas morte, j'en sais rien. On va peut-être avoir une scène après les crédits, je suis sûr. Voir pourquoi elle est pas morte ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pourri quoi. C'est le dernier jeu, fais-la mourir. Tu t'en fous, c'est le dernier jeu, c'est le dernier des remakes normalement. Il y en aura plus après, sauf s'ils repartent sur un remake. Fais-la mourir, c'est une héroïne. Elle a tué des milliards et des milliards de soldats et de... Elle a détruit des villages en récupérant la dague. Des millions de gens sont morts à cause d'elle. Fais-la mourir dignement. Puis voilà, basta, elle se sacrifie pour sauver le reste de la planète. On s'en fout, c'est bien. Ne fais pas genre, elle survit, je sais pas comment. Très très maladroit en fait. C'est très 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 maladroit, je trouve. Si elle est blackée, ça veut dire qu'il y a une suite. Non, je pense pas. Normalement, il devrait pas avoir de suite. En tout cas, ils avaient dit que c'était le dernier de la trilogie. C'est une trilogie, les remakes. C'est censé être une trilogie. Après, ça peut toujours changer. Oui, ils peuvent toujours te pondre une suite à la con. Hein. Genre, il y a encore un nouveau méchant, machin. Pourquoi ils montrent des screenshots de Rise of the Tomb Raider, s'il te plaît? Parce que dans la neige, il n'y a pas de neige là dans le 3, il n'y a pas de neige. La neige c'était dans le 2. Arrêtez de me montrer un meilleur jeu. J'ai préféré Rise. Hein. J'ai préféré Rise of the Tomb Raider, donc le deuxième. J'ai vraiment préféré le deuxième.
Les ajouts de gameplay du troisième sont cool, genre le grappin, on peut descendre en tyrolienne, tout ça, c'est cool, c'est sympa. Mais niveau histoire et lieu et tout ça, j'ai préféré quand même le deuxième. C'est vraiment pas le meilleur des trois, ça c'est sûr. Il y a tellement de problèmes dans le jeu. Alors que personne n'en parle, quoi. Il y a tellement d'incohérences, c'est tellement maladroit. Tout ce qui touche au texte, tout ce qui touche à l'histoire, tout ce qui touche aux cinématiques, c'est tellement maladroit. Non, mais là, on va partir sur un nouveau remake, je pense. Dans 5-6 ans, on repartira encore sur un nouveau remake, je pense. Comme un peu tous les jeux maintenant, hein, c'est ce qu'ils font de façon. C'est un peu ça à chaque fois. Mais en tout cas, je comprends pas pourquoi il a d'aussi bonnes... Enfin, les critiques disent des choses vraies et disent pas que c'est le meilleur tout ça. Mais je comprends pas pourquoi le public, genre sur Steam, il a des... Tout le monde l'aime, quoi. Il est bien, mais il est... Enfin non, il est passable, quoi. C'est vraiment pas une amélioration comparée au premier et au deuxième. C'est pas une amélioration. Hein. L'histoire, elle est catastrophique, elle est débile. Lara Croft, elle pète un câble deux fois, je crois, dans le jeu. Où elle devient psychopathe et elle tue des gens de sang-froid. Et après, elle se dit « Ah merde, j'ai tué des gens de sang-froid, je suis méchante. » Elle revient gentille, entre parenthèses, puis après elle redevient encore méchante à tuer des gens qui sont en train de ramper sur le sol. Et après, elle redevient encore gentille. Enfin bref, c'est... genre elle a de l'empathie. Elle en a pas de l'empathie. Elle est égoïste. Elle est très égoïste. Et elle est bipolaire. Elle est complètement bipolaire. Et elle est très très... C'est pas une héroïne, quoi. C'est pas une héroïne. Mais moi, ça me va que ça soit pas une héroïne. Parce qu'elle tue des gens. C'est pas ça le problème. C'est que le jeu te force à te sentir mal pour elle. Genre elle a perdu son père, elle a perdu sa famille. Donc c'est normal de massacrer des mercenaires pendant tout le jeu, quoi. Genre c'est normal de planter un couteau dans le cœur d'un mec qui est en train de ramper, qui a pas d'arme. C'est complètement normal. Non, tu fais pas ça. Ça c'est maladroit. C'est comme si tu me dis de me sentir, d'avoir de la peine pour un tueur en série parce que on lui a volé son goûter quand il était à l'école. Et depuis, il a tué 154 personnes et il les a mangées. Tu peux pas te sentir triste pour une personne comme ça. On est d'accord. Enfin bref, c'était Shadow of the Tomb Raider. Hein. On va voir s'il y a une cinématique. Cinématique bonus, s'il vous plaît. J'avais tout faux. J'ai cru que pour prendre le contrôle de ma vie, je devais réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que je devais tout régler. Mais les mystères du monde doivent être appréciés plus que résolus. Et je ne suis que l'une de leurs protectrices. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, Jonah. Mais quelle que soit l'aventure qui m'attend, j'ai hâte de me mettre au travail. Non. Je vais essayer de ne pas trop me prendre au sérieux. Du thé, Miss Croft ? Volontiers. Ah mais toi, on t'avait mis dans le frigidaire, dans Tomb Raider 2, là, dans la maison, ou le 3. On t'avait enfermé dans le frigidaire, dans le frigo. Pour l'instant, je suis contente d'être à la maison. D'accord. Donc, pour les gens qui ont des questions, comment elle a survécu, bah allez bien vous faire voir, quoi, en gros. En gros, c'est ça la fin du jeu. J'ai l'impression. Ok, c'est cool.